Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end pour de nouvelles aventures Transformers. Et aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy Galvatron. Voilà, rien que ça. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Ceux qui me connaissent un petit peu donc savent que voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je suis j'aime beaucoup Megatron et j'aime également donc Galvatron. Et puis petite chose surtout très sympa, c'est que nous avons enfin en termes de jouets un véritable hommage aux générations 1. Le Titans Return était pas trop mal, mais voilà, beaucoup trop de lacunes, beaucoup trop de défauts. Cette nouvelle version donc de Galvatron envoie tout juste du pâté. Je ne vais pas en dévoiler plus. Nous allons donc découvrir ça dès à présent dans la présentation donc de ce petit père Galvatron. Allez, let's go les amis. Ouais, Galvatron, Mégatron, Galvatronche, Mégatronche, ouais, tout ça c'est un peu du pareil au même. Bon, c'est normal, c'est le même monsieur. Et puis comme nom Galvatronche, c'est quand même bien badass, non? Ouais, je te l'accorde. Bon bah, de notre côté en tout cas, on vous souhaite une bonne vidéo, bonne revue, profitez bien et bonne découverte. Et puis nous, on se dit à tout à l'heure. Allez, tchuss les mecs. Ouais, tchuss les mecs. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et voici tout de suite donc un petit aperçu de la boîte. Nous connaissons donc tous à présent cette forme atypique propre donc à la trilogie War for Cybertron. Nous retrouvons toujours cette voilà des artworks absolument sensationnels. Celui-ci est absolument adorable. Donc regardez-moi ça. Mais Galvatron dans toute sa prestance. Prestance, pardon, et donc le revoici juste à côté dans son mode tank cybertronien. Il est tout simplement magnifique. Nous avons sur la tranche latérale droite toujours ce sublime artwork que nous connaissons tous à présent, et au dos de la boîte, pas de surprise, donc le produit commercial sous sa forme robot, sous sa forme véhicule cybertronien. On nous indique donc que la transformation s'effectue en 33 étapes et que surtout donc il s'agit, comme indiqué ici, d'un leader class. Voilà qui fait bien plaisir, le Titan's Return étant de son côté, à l'époque, donc un Voyager. Voilà, là, on a enfin le leader class que l'on souhaitait. Voilà donc, pour la boîte, nous y retrouvons bien évidemment la notice, que voici, que voilà. Et, Game Kingdom oblige, nous retrouvons à l'arrière, dans ce petit insert, la fameuse carte collector, hop, que voici, que voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra rouge, hein, mais nous avons, voilà, nous avons tout simplement l'arche de représenter. Voilà, plutôt très sympathique, avec, voilà, en dessous, donc, de ce petit autocollant, une autre version de l'arche, cette fois-ci dans son mode robot, hein, sachant que voilà, l'arche en termes de jouets est enfin disponible. Donc pour tous ceux qui ont les moyens, sachez que vous pouvez vous faire plaisir actuellement donc en précommandant l'arche ou en la commandant tout simplement. Donc l'arche qui peut se transformer en robot, donc ça reste un petit peu anecdotique, mais qui surtout donc a une partie qui se détache donc pour former le fameux ordinateur Télétran 1. Voilà pour cette superbe petite carte collector. Et petit 360 à présent, donc de notre Galvatron dans son mode tank cybertronien, que dire, extrêmement, hop là, extrêmement fidèle au G1, à rien à dire, des influences du jouet, mais surtout de la série animée, notamment, donc on y reviendra tout de suite, mais le canon transparent hein, qui nous rappelle le jouet, et cette couleur un peu plus, voilà, un peu matifiée, donc, qui elle représente plus le style du dessin animé. Donc voilà, vous en avez pour tous les goûts. Le véhicule, enfin le véhicule, oui, cette espèce de tank entourelle, en tout cas ce canon cybertronien monté sur chenille, hein, est vraiment très très sympa pour peu que l'on aime donc cette forme, tout simplement, cette forme alternative. Voilà un petit peu donc pour le 360.
Concernant les finitions, donc nous retrouvons, comme je vous le disais, hein, ce canon, voilà, de toute beauté, en translucide, avec un petit peu de orange peint pour les effets. Petite chose que j'aurais aimé avoir et que m'a d'ailleurs souligné ma femme, c'est que ça aurait été sympa d'avoir du coup voilà, une petite lumière au niveau du canon. Bon, ce n'est plus le cas sur les jouets d'aujourd'hui malheureusement, mais c'est vrai que ça aurait pu faire son effet, hein, une petite LED. Voilà, sinon en termes de finition, pas grand chose de négatif à dire, hein, les couleurs sont sympas. On a un très joli violet, donc fidèle au personnage. Nous avons ici donc deux teintes de gris métallique foncé. Voilà, pour l'avant, de nombreux détails absolument, voilà, partout. Tout est vraiment très très bien détaillé, sculpté, moulé, enfin bref, c'est une véritable petite réussite. On retrouve des touches de rouge glossy, également donc d'argenté un petit peu brillant mais mat, de l'argenté brillant plus étincelant sur le dessus, là également. Donc vraiment, voilà, hein, vue de face. Hop! Vue de profil avec également donc les roues des chenilles en chrome, en argenté brillant. Voilà, ça c'est plutôt sympa. De dos, là encore, pas grand chose de négatif à dire. C'est vraiment du tout bon, très très réussi. Au niveau de l'undercarriage, là encore, pas grand chose de négatif à dire. On a quelques petits jours, mais dans l'ensemble, tout est bien compact, tout est bien dissimulé. Et nous avons donc les petites roulettes à l'arrière et à l'avant, donc qui permettent donc de faire avancer, plus glisser que faire rouler d'ailleurs, notre Galvatron. Et nous avons ici donc pour le mode robot, donc nous y reviendrons tout à l'heure, hein, mais des traces de choc, de coups, d'usure, bref, voilà, quelque chose qui a du vécu et que moi personnellement je trouve plutôt sympa dans ce genre de gamme. Nous avons donc en termes d'accessoires, voilà, ces deux canons juste ici, que l'on n'avait pas dans le jouet G1 et qu'il n'a pas non plus dans le dessin animé, ni dans le film animé. Alors pour ceux qui connaissent bien le film animé, on reconnaît tout de suite, voilà, pour chacune des armes séparément, le vaisseau des Decepticons lors de la fuite des Autobots sur l'Arche. Donc voilà, pour rejoindre une autre planète. Et donc voilà le vaisseau des Decepticons qui pourchasse donc les Autobots. On a vraiment quelque chose de très très fidèle, c'est incroyable. Alors ce que j'aime pas par contre, c'est que voilà, c'est dans du plastique dans la masse, c'est monochrome, ça manque un petit peu de couleur, de dynamisme, surtout que en termes de finition, voilà, il n'y a pas grand chose de négatif à dire, hein, des deux côtés. Voilà, tout est vraiment très très propre. Et donc sachez que vous avez la possibilité du coup pour le stockage, grâce aux ergots qui se trouvent de chaque côté du canon, de pouvoir donc rajouter, hop là, ces pièces là comme ceci. Et voilà, donc nous avons un Galvatron avec voilà des canons latéraux supplémentaires. Je ne suis pas fan du tout, je préfère rester vraiment dans l'esprit pur G1. Donc voilà, pour moi malheureusement, ces deux canons ne me sont d'aucune utilité, hein, que ce soit pour le mode bot ou le mode alternatif. Donc voilà, je les mettrai de côté. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc voilà, les combiner comme ceci pour former une méga arme pour Galvatron. Et ça, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Toujours dans le rang des accessoires, nous retrouvons donc une petite chaîne. Alors pour ceux qui possèdent le Galvatron, vous l'aurez remarqué, j'ai chromé la mienne. Pourquoi? Tout simplement parce que la chaîne était dans cette teinte-là. Voilà, dans cette teinte tout à fait fade, fadasse. Une chaîne, c'est métallique. Nous prendre une chaîne donc voilà, comme ça, de cette couleur là, franchement je trouve que c'était un petit peu abusé de la part d'Hasbro et de Takara. C'est bien de nous offrir voilà des petits accessoires, mais bon voilà, on se donne au moins la peine de faire quelque chose de propre. Donc voilà, hein, de mon côté je l'ai chromé, voilà, c'est quand même plus sympa en termes de rendu. Et puis donc vous avez également la matrice ici, donc qui est la même que pour Hot Rod et Optimus. Voilà, donc cette petite matrice que l'on peut retirer, voilà, comme ceci. Et puis donc en termes de stockage, là aussi, hein, il est possible donc de la placer, voilà, sur le canon. Vous avez, alors que je ne dise pas de bêtises, le petit ergot qui est juste ici,
qui va venir donc se loquer ici. Voilà. Alors, je ne regarde pas la caméra rouge, sinon je vais être déstabilisé. Et voilà donc la petite chaîne en plus en termes de stockage. Alors là aussi c'est anecdotique, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, on peut le faire. Donc voilà, si vous aimez l'exposer en mode alternatif, pourquoi pas fixer la chaîne juste ici, et quand même avoir comme une chaîne en chrome, c'est quand même, voilà, c'est quand même plus fun. Et autre chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on a vu les traces de coups de choc donc sur ces parties là mais on les a également donc sur ces parties-là qui forment donc la poitrine de Galvatron. Donc voilà, hein. En termes d'accessoires, c'est pas trop mal, c'est pas transcendant, mais bon, ça fait son taf. Et sachez que vous avez également la possibilité, grâce aux effets de feu, de tir ou d'impact, voilà, de pouvoir fixer, voilà, les petits artefacts donc de Jetfire, et de les placer donc au niveau du canon, voilà, qui donne quelque chose de plus, voilà, un look quand même plus badass, plus agressif. Bref, moi j'adore. Yes. Dommage par contre pour un leader class, et j'en reviens aussi pour celui-ci, donc c'est que voilà, Hasbro et Takara auraient pu quand même se donner la peine de fournir ces petits effets. On est dans du leader class, hein, j'aurais préféré des effets que ces parties-là par exemple, mais bon, c'est comme ça, c'est dommage de devoir à chaque fois réutiliser les effets des autres personnages. Mais bon, voilà, c'est le choix d'Hasbro, on ne peut rien y faire malheureusement. Et petite photo de famille à présent de mes différents Galvatron. Je n'ai malheureusement pas le Génération 1. C'est un petit peu dommage. J'arrive à en trouver des pas trop chers, mais s'il y a la plupart du temps le canon n'est pas fourni avec, et les autres petites pièces. Hein, il y a 2-3 pièces qui viennent dessus. Donc voilà, je n'ai pas malheureusement le Mégatron G1, mais vous pouvez néanmoins donc faire votre petit, voilà, votre petit comparatif donc avec la version Titan's Return, et puis juste ici donc le petit MechFanToys, voilà, à l'échelle Legend Class. Sachez hein, que pour ces deux personnages, j'ai eu l'occasion donc d'en faire des revues il y a pas mal de temps sur ma chaîne. Voilà pour cette petite photo de famille. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que complet du mode alternatif, nous allons pouvoir passer à présent bien évidemment à l'étape transformation, qui malgré ses 33 étapes reste fun, intuitive et plutôt agréable. Voilà, donc vraiment quelque chose de vraiment bien étudié, voilà, et avec lequel donc on prend plaisir à passer facilement d'un mode à l'autre. Alors tout d'abord, nous allons commencer par déclipser le canon, on le met de côté. Cette partie-là également, vous pouvez dès à présent réunir les deux parties qui formeront donc le nouveau canon à fusion de Galvatron. Ensuite, nous allons passer donc à l'arrière. Vous allez tout d'abord venir rabattre toute cette partie-là comme ceci, et ensuite comme cela, jusqu'à entendre donc le clic de loquage. Ensuite, donc vous allez venir déclipser toute cette partie-là, juste ici, comme ceci, voilà, dans un premier temps. Et ensuite, donc, vous allez déclipser également ces deux parties-ci, donc qui se loquent respectivement chacune dans ces petits ergots juste ici. Et ensuite, donc, vous pouvez commencer à séparer ce qui va devenir donc les jambes en deux parties, comme ceci. Voilà, et donc nous laissons cette partie arrière telle que pour le moment. Nous passons à présent donc à l'avant de notre personnage. Alors vous allez venir déloquer donc ces petits panneaux juste ici, de ces pièces latérales juste là, comme ceci. Hein, on voit bien donc l'ergot qui se trouve ici avec, voilà, le réceptacle juste là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Quand c'est fait, hop là, vous allez vous pouvoir venir déclipser les pièces qui se trouvent juste ici. On entend bien le déclic. Vous avez la petite, voilà, le petit ergot ici, donc, qui vient se loquer dans la petite fente juste là, juste sous le torse. Voilà, même chose pour cette partie-là. Voilà, on commence à voir quelque chose qui prend forme tout doucement. On continue cette fois-ci en déloquant cette pièce-là sur le dessus, comme ceci. Voilà, jusque là pas de souci aucun. Ensuite, donc, vous mettez les panneaux
comme ceci. Vous venez rabattre cette partie-là ainsi. On vient donc soulever le chapeau juste ici. Et on vient également donc, voilà, déloquer le torse. On avance toute cette partie-là. On met en place. Ensuite, voilà, comme ceci. Donc ensuite, nous venons, voilà, rabaisser le torse. On vient loquer le tout, ergo de fixation, juste ici. Voilà, ça clique bien. Vous pouvez à présent refermer cette pièce-là dans le dos. Vous avez un ergo rectangulaire juste ici qui va venir donc se clipser ici. Voilà, qui est fait. Ensuite, vous pouvez donc rabattre cette pièce-là. Vous avez un ergo cylindrique qui vient se loquer juste ici, comme ceci. Ensuite, vous déclipsez cette pièce-là et grâce à la double charnière, vous venez la placer comme ceci. Voilà, petite mise au point. À présent, nous pouvons rabattre ces pièces-là grâce aux ergots femelles juste ici. Là, on lock bien, comme ceci, comme cela, et ensuite vous venez rabattre également donc cette partie-là. L'ergo est ici, l'ergo de fixation est ici. Voilà, vous venez rabattre le tout, vous loquez bien correctement. Voilà, et nous avons donc déjà le haut de transformer. Ensuite, plus qu'à passer au niveau des jambes, comme ceci. Vous effectuez un quart de tour, comme cela, jusque là. Rien de compliqué. Et ensuite, donc, vous venez, grâce à la double charnière, rabattre la pièce du bas, comme ceci, vers l'arrière. Ergo de fixation. Vous loquez bien. Même chose ici. Hop. Alors. Ah. Voilà. Ensuite, vous venez sortir ce qui va former le talon et le second talon. À présent, notre galvatron a gagné en stabilité. On continue en rabaissant ces parties-là qui vont devenir donc les petits, voilà, les petites jupettes latérales du slibard, comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer les parties des chenilles. Vous avez un ergo juste ici qui va venir se loquer juste là, comme ça, comme ça, hop, comme ça. Même chose ici. On rabat et on lock. On peut à présent déployer les avant-bras, là encore fixés grâce aux ergots juste ici. Un mouvement vers le bas, comme ceci, et il n'y a plus qu'à venir sortir les mimines, comme ça, comme ça. On essaye de stabiliser le tout proprement, ainsi. Hop, on redresse notre méga tronche. Et dernière chose, on vient lui rajouter donc son canon. Alors vous avez le choix, soit au niveau de l'avant-bras ou soit juste ici. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, hop là, notre mégatron, notre galvatron du moins transformé. Yes! Et petit 360 à présent donc de notre galvatron dans son mode bot. Que dire, là encore, c'est un presque sans faute. La figurine est superbe, comme vous avez pu le voir, la transformation est vraiment fun, pas de prise de tête nullement. La carrure est plutôt pas mal fichue, c'est très détaillé, les couleurs violettes sont vraiment de toute beauté, le choix des couleurs est
excellent. On a quelque chose de vraiment fidèle au film. Pas de gros backpack. Là encore, voilà, tout est bien compact, tout simplement. Et puis voilà, pareil à l'arrière des jambes, pas de jour, pas de creux, pas de vide, quoi que ce soit. Donc vraiment, voilà, une figurine très très soignée. Petit zoom à présent sur le visage, là encore c'est un sans faute, le visage est absolument superbe tel que nous le voyons dans le dessin animé et dans le long métrage animé. Le visage tout silver, regardez-moi cette expression, voilà, qui inspire donc la crainte et l'effroi, les yeux en rouge ici, voilà, de toute beauté. Toutes ces petites finitions, hein, les touches donc de rouge brillant sur fond de chrome. Tous les coups juste ici, les traces de coups, de choc, d'usure et autres. Voilà, même en bas, hein, on a quelque chose de vraiment super bien constitué. On retrouve les effets de choc juste ici. Non, vraiment, la figurine, hein, quel que soit l'angle dans lequel vous allez le regarder, est absolument ravissante. Un plaisir donc pour les yeux. Alors il y a une petite polémique qui circule donc sur le net et sur YouTube concernant donc ses épaules. Beaucoup chouinent. Parce que pour moi c'est pas réellement justifié, mais bon voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais beaucoup chouinent parce qu'ils trouvent que les épaules sont un peu trop basses. C'est pas faux ma foi, mais personnellement ça ne me gêne moi personnellement en aucun cas. La figurine est très bien comme ça. Il y a tout un tas de tutos qui expliquent comment modifier la chose en séparant, en ouvrant, en utilisant ou en achetant des outils spécifiques. La plupart ont juste réussi soit à casser les bras, soit à laisser des marques de stress sur le plastique. Pour ma part, je les laisse comme ça, ça me satisfait. Et si vraiment donc au cas où on veut chipoter et on veut avoir donc les épaules un peu plus hautes, eh ben il suffit tout simplement, voilà, de faire ceci et de retourner l'épaule ainsi. Voilà, alors certes on a le petit rivet qui apparaît ici, mais vous pouvez constater que comparé à l'autre épaule, celle-ci donc est à la bonne hauteur. Voilà, c'est la chose que vous pouvez effectuer. Moi c'est ce que je vous conseille le plus personnellement, plutôt que de vous prendre la tête à essayer de, voilà, de séparer ces parties-là et de flinguer les plastiques. Voilà, ce serait dommage d'abîmer une belle figurine, surtout à ce prix-là. Donc vous avez le choix, hein, les épaules basses, les épaules hautes, pardon, et tout ça donc sans outils ou sans quoi que ce soit d'autre, simplement par le biais d'une petite manipulation. Concernant les articulations, rien à dire. Tout est parfait, rotation intégrale de la tête, vous pouvez également, voilà, l'incliner de gauche à droite, la lever, la baisser. La pub Dove, regardez-moi ça, amplitude optimum, rien à lui reprocher non plus à ce niveau-là. Une rotation intégrale, voilà, du bras, un joint champignon qui permet une rotation de l'avant-bras et une articulation du coude optimum de par la transformation. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, c'est irréprochable. Vous avez également donc une rotation du bassin, voilà, ce qui commence à devenir coutumier, hein, sur ce genre de jouet qualitatif. Nous avons le grand écart JCVD. Allez, Jean-Claude Van de Galvatron, montre-nous ce que tu sais faire. Regardez-moi ça, cette amplitude, absolument parfait dans ce sens et dans l'autre. Voilà, rien ne vient le gêner. Voilà, pour ce mouvement. Nous avons également donc un joint champignon juste ici qui permet une rotation intégrale de la jambe, une articulation du genou à 90 degrés. Et voilà, le boulot est plutôt propre et soigné. Là encore, rien à dire à ce niveau-là. Le pied, vous pouvez, voilà, venir, hop là, si je déloque, ça va pas le faire. Mais vous pouvez, voilà, l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, et si vous voulez forcer la chose, vous avez tout simplement, voilà, cette petite manipulation à faire. Là encore, c'est propre, hein, on a vraiment la pièce ici qui vient marquer et qui évite d'avoir un jour dégueulasse, hein, voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal aussi. Voilà, donc vous l'aurez compris, en termes d'articulation, vous avez vraiment de quoi vous éclater avec, à lui donner tout un tas de poses toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Voilà, notre petit Galvatron dans toute sa splendeur. Vous avez bien évidemment, voilà, pour reprendre le film, la fameuse chaîne, donc, que je rappelle, hein, que moi j'ai peint en silver, voilà, et ça tient, hein, ça bouge pas. Donc là, voilà, c'est quand même mieux que du plastique mat gris tout dégueulasse peint dans la masse. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc passer son, voilà, son petit trophée
au-dessus de sa tête et vous avez donc juste ici un petit ergot donc qui va permettre voilà, de venir fixer le tout proprement. Voilà. Donc sachant que si vous loquez l'emplacement de la matrice, ça va relever un petit peu la chaîne. Hein, donc je vous conseille tout simplement de déclipser cette dernière et de venir voilà la placer comme ceci. Et nous avons là encore la possibilité, voilà, dans sa version robot, d'ajouter les effets de feu, de tir et d'impact au niveau de son canon. Et voilà, c'est juste sensationnel. Voilà, notre badass Galvatron, voilà, prêt à en découdre et en faire mordre la poussière donc aux Autobots. Vraiment de toute beauté. Je regrette une fois de plus que Galvatron n'ait pas ses propres effets de feu et de tir, un petit peu comme c'était le cas pour Grimlock. Mais bon, vous avez, si vous en avez en stock, quand même la possibilité de vous faire plaisir à ce niveau-là. Et on va revenir à ces deux pièces du début, hein, qui nous évoquent plutôt le vaisseau qu'autre chose, le vaisseau des Decepticons. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit les placer ici, au niveau des mimines, ou soit également sur l'un des deux ergots pourvu à cet effet. Voilà, personnellement, je trouve ça vraiment sans intérêt. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, donc, voilà, le loquer ensemble et le placer là. Voilà, pourquoi pas, si vous voulez. Ou si vous préférez qu'on les voit le moins possible, vous avez un petit ergot à l'arrière juste ici, mais voilà, c'est pas super efficient parce que l'ergot ici n'est pas assez long. Donc bref, moi ce que je fais personnellement, hop là, je le dégage et ça me va très bien comme ça. Voilà donc pour la présentation de notre petit Galvatron dans son mode bot. Ouais. Et petit comparatif à présent de mes trois différents Galvatron. Donc nous retrouvons le Titan's Return ici, qui en mode robot est pas trop mal, hein, mais voilà, il est complètement largué et surclassé par cette version Kingdom, hein, qui est absolument splendide. Et puis nous retrouvons donc ici la petite version Legend Class du fabricant McFanToys. Vous voyez, pour celui-ci, hein, bah voilà, McFanToys avait mis une petite chaîne métallique. Voilà, c'est dommage, donc je le répète, hein, que Hasbro n'ait pas fait la même chose pour cette version. Mais bon, si vous êtes doué en peinture, si vous connaissez un petit peu les principes des maquettes, moi, et puis moi je suis un ancien maquettiste, hein, donc vous pourrez sans problème donc venir voilà donner un petit coup de peps et surtout quelque chose de plus ressemblant et de plus fidèle donc à une véritable chaîne métallique. Et dernière petite photo de famille, cette fois-ci donc avec voilà mon exemplaire de Galvatron donc à l'échelle Masterpiece que mon ami donc Yaya m'avait offert à Noël il y a maintenant au facile 3 ans, tu vois, mon petit père, je l'ai toujours, il est toujours dans ma collection et surtout il est toujours aussi badass. Voilà donc pour cette petite photo de famille, ne manque malheureusement que la version G1, mais bon, qui sait, peut-être un jour j'en ferai l'acquisition et je le trouverai surtout complet. Voilà un petit peu donc pour conclure cette vidéo. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à ce plutôt très satisfaisant Galvatron issu de la gamme Kingdom. Figurine que je ne peux que conseiller, en tout cas à celles et ceux qui sont fans avant tout de Megatron ou de Galvatron, et puis qui souhaitent également compléter donc la série ou en tout cas les personnages que l'on peut voir donc dans le long métrage animé de 1986. Je trouve que le Kingdom et la gamme Studio Series Movies 86 donc fit plutôt pas mal ensemble. Voilà, j'espère en tout cas donc vous avoir fait découvrir vraiment cette figurine qui, je l'espère, donc vous aura plu, ainsi que ma revue. N'hésitez pas comme toujours donc à laisser vos impressions, vos suggestions, vos commentaires, etc. etc. Vous êtes habitués à présent. D'avance, bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus, toujours de plus en plus nombreux. Voilà, ça me fait hyper plaisir, c'est très motivant, ça me booste, et puis bah ça me donne envie de vous faire des vidéos encore plus sympas. Et puis toujours dans les bonnes nouvelles, donc nous sommes à présent à plus de 1560 abonnés.
Donc nous frôlons donc les 1700 et ça c'est bah voilà, c'est juste super. Donc merci merci à vous. Que dire de plus? Eh bien écoutez, on se retrouve donc semaine prochaine pour de nouvelles aventures Transformers, parce que oui, j'ai encore, comme vous avez pu le voir lors de mes précédents unboxings, d'autres figurines à vous montrer. Donc on passera pour le coup donc à du Studio Series, mais cette fois-ci à donc des Studio Series issus des films. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, reposez bien, reposez-vous bien, pardon, et puis donc bonnes vacances à toutes celles et tous ceux qui, à toutes celles et tous ceux qui ont la chance d'y être, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, n'oubliez surtout pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Hein? Quand on y pense, Mille et moi, Galvatron, dis donc, il a échappé à certains noms, hein? Enfin, certains prénoms, pour être précis. Oh ouais, moi je trouve aussi, ça aurait pu être pire que Galvatron. Bah ouais, ça aurait pu être Galvacitron. Galvatronche. Galvaglouton aussi. Galvacitron. Galvalétron. Ouais, ou encore, Galvatron du fion. Je vous signale que j'entends tout, petite vermine, et je compte bien vous faire payer cet affront. Pour le coup, là, c'est plutôt Calva, c'est pas bon. Prenez ça dans la tronche, vermisseau! Et voilà, de nouveaux trophées. Gloire à Galvatron! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.